Bonjour à tous et à toutes, c'est Mister Scrooge. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour déjà le 10e épisode de notre aventure sur Pokémon Platinum Lock Challenge. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de résumer dans un épisode? Parce que là, ça me fait un peu mal au cœur. Donc, je pense que les images se passent d'explication. Non, déjà, c'est mauvais PC, merci. Voilà. Dans le dernier épisode, eh ben, toute la team se fait quoi par Chimera, cette poufiasse qui me crit. Bon, aussi, j'ai très mal joué, et surtout, bon, apparemment, j'étais pas prêt. Bon, t'es cœur qui tape comme une mouche, enfin, bref, plein de trucs. Donc, tous ceux-là sont morts. Mais l'aventure n'est pas terminée, puisqu'il y avait 4 Pokémon dans mon PC. Bon, j'ai mis très longtemps pour refaire XP. Très longtemps, mais voilà, donc, il y a Devidar qui est devenu un beau Eviator. Oui, je pense que... S'il crève pas, je vais garder vraiment toute l'aventure parce qu'il y a d'avoir vraiment des super stats. Il y a HC Nosferatu avec une nature de merde. Bon, lui, je sais pas si je vais garder longtemps. Le Togepi anonyme qui va aussi avoir un rôle dans cet épisode, vous allez voir. Et Bubnamed, qui va pas me servir longtemps non plus, je pense. Enfin, je pensais même pas m'en servir. Mais bon, avoir un Pokémon en plus, c'est toujours... ça fait du bien, quoi. Alors, pourquoi en fait, j'ai prévu une stratégie pour notre revanche, puisque nous allons prendre notre revanche contre Chimera, cette poufiasse. Alors, on va donner des baies, parce que j'avais complètement négligé les baies jusqu'à présent, et puis je me suis renseigné, puis Papillon m'a dit que c'était ok, donc bon. Je vais donner déjà une baie au rang A, machin, et je vais donner... Normalement, je devrais pas avoir de problème avec cette config, je vais donner une baie marron à Bubnamed. Vous allez très vite comprendre l'intérêt de ces baies. Alors je pense que maintenant, bon, j'ai eu droit à ma revanche, bon, je les ai fait XP. Tout ce niveau 27, je pense que ça devrait... Je dis bien, je pense. Sachant que là, bon, si je perds, c'est un vrai game over. Donc, let's go. Bon, bah... Qui ne tente rien, n'a rien. Donc, c'est parti. Alors, donc, déjà, évidemment, je vais devoir tout me retaper. Pas les dresseurs, hein, mais... Et dalle, alors les dalles, ça c'est un triangle. Passe par là. Première salle de fait, il faut trouver la deuxième dalle, où es-tu? Oh, c'est trop, ah, non mais je vous jure. Ah, casse-toi toi, casse-toi. Du balai, avance. Oh putain. Bon bref. Voyons voir. Voilà. 5 cœurs, ok, donc maintenant faut trouver la porte avec un cœur, seigneur. Non, ça c'est un soleil. Ça c'est un cercle bizarre. Et ça c'est une lune. Ça c'est une étoile. On n'y va pas. Et nous revoit devant cette poufiasse de Chimera. Bon, déjà que vous connaissez, je suis avec HC, vous allez comprendre pourquoi. Bah, grognasse, tu m'as troll une première fois, tu vas pas me troll une deuxième fois. Rampage! Go! Bon voilà, là je pense que c'est parti! HC, vas-y! Donc bon, vous allez voir, je pense que chaque Pokémon aura une place dans cette équipe. Enfin, dans ce combat en tout cas. Donc je commence avec Morsure! Oui! Oh oui! Rage Forêt! Oh magnifique! Jour de gore! C'était prévisible. Je tape trop cher, je sais pas pourquoi. Sachant que Tranchard ça tape pas mal aussi. Voilà, je vais finir avec une morsure. Voilà. Bon bah toi t'es mort. Ça c'est fait. Donc Gigant devrait envoyer son spectrum maintenant. Mais j'y rêve. Oh merde, bon là faut que je switch. Parce que ce connard Maref Epsi m'a très bien montré dans le dernier épisode. Bon alors, c'est là que Togepi anonyme va faire son entrée. Je sais c'est pitoyable, mais enfin bon. Écoutez. Togepi, go! Oh qu'est-ce ce. On te fouille. Si tu veux, je sais pas. Bon bah écoutez. Peut-être que Togepi aura sa chance. Charme, Togepi. Ah non, merde. Bon bah... Merci d'avoir... Je suis content d'avoir connu... Ah, critique en plus. Content d'avoir connu Togepi. Mais vous allez voir, il va avoir un rôle... Il y a eu un rôle très important. Puisque je vais envoyer Devidark indemne. Et puis là, c'est vraiment le verdict là, franchement, c'est... Oula. Alors bon, morsure, hein. Ah ouais, je vous ai pas montré les attaques, bon. Oui, enfin, il n'y a pas de stab. Le stab, il prend Hydro-queue niveau 35. C'est pire que Taker, oui. C'est un peu, c'est pas croyable. En attendant, j'ai morsure qui va beaucoup m'aider. Balle d'ombre. Ah, balle d'ombre. Ah, s'il te plaît, je me fais pas de KO, s'il te plaît.
C'est tout? C'est tout? Oh putain! Ah super! Putain, il tombe vachement bien! Bécitrus! Putain, merde, j'ai oublié de fermer PO, fais chier, attendez. Fermer, voilà, dégage. Alors, excusez-moi. Alors, morsure, c'est parti! Ah merde, et puis... ah oui, évidemment, c'est pas drôle sinon. Oh non, c'est bon, ça ira. Oh putain, vas-y! Vas-y, putain! Merde, je vais perdre un Pokémon! Putain, salope! Oh non! Non, 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 non! Je préfère envoyer Bugnamed. Allez, c'est parti! Je compte sur toi! Ah bah, j'aurais pu te... Bon, là, il va me... Oh putain, vas-y, salope! Bon, bah, Bugnamed, il y aura pas de Bugnamed, en fait. J'espère que HC va tanker le Rafapsi, sinon, bah, c'est game over. Oh, ils ont fouillé. Oh putain. S'il te plaît, tape. Je t'en supplie, HC, tape. Tape. Putain, mais fais qu'une accès, c'est pas possible. Oh, putain de con de merde. Rafapsi, oh putain. Non, 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 non. Ne meurs pas, HC, ne meurs pas, ne meurs pas. Oh tiens, oh il tank, j'en reviens pas. Genre il tank. S'il te plaît, tape. Tape. Vas-y. Vas-y, je t'en supplie. Super potion. Critique. Tape, 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 tape. 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 Saloperie. Je te jure. Oh, vas-y, tiens bon. Tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Assez. Morsure. Morsure, morsure. Oh putain. Oh, oh mon dieu. Oh le connard de Magie Rêve, oh la vache. Alors, vous aurez remarqué que je suis un peu plus calme que dans le dernier épisode. Vous aurez remarqué je pense. Bah je pense que je vais devoir un sacrifier HC. Oh mon dieu, mais le massacre. Vas-y morsure. Ah je pense que je peux mettre KO. J'espère que HC va... Ah merde, 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 merde. Oh putain. Oh, oh. Allez vas-y, vas-y, on finit, on finit. Morsure. HC a survécu. HS survécu au massacre, oh mon dieu. Bon, oh là, putain, j'aurais même pas dû perdre un Pokémon normalement en fait. Oh, je voulais absolument garder David. Vraiment, toi, très fort. Oh non, putain, MCSO. Je zappe parce que là, elle me brise. Elle me brise. Ce soit à toi, tout est à moi. Ok. Salope. Oh mon dieu. Mon dieu, je me suis encore fait peur dans cette arène à la con. Oh. Tout ça parce que cette salope ne foire jamais ses ondes folies, quoi. Oh non, mais seigneur. Oh, bon, bah, Bulnamed et HC. Bon, HC. Bon, HC n'est pas mort encore. Encore heureux. Bon, bah, Bulnamed et... merde. Et Togepi Anonyme, bonjour, merci donc bah, d'être passé. Vous aurez eu votre seconde gloire. Bugnamed n'aura même pas fait un move. Togepi non plus d'ailleurs. Mais bon, bah c'est le jeu, écoutez. C'est le jeu, c'est le jeu. Oh non mais seigneur. Oh non mais jusqu'au bout quoi, Magie Rêve. Je pensais que j'allais la passer. Je vous avoue que je pensais que j'allais la passer un peu plus facilement quoi. C'est-à-dire que je perds pas un Pokémon quoi. Mais là, mais non. Oh mais non, putain, c'est horrible. Mon Togepi. Voilà. Crocoud. Ouais, ils se sont fait croco aussi. Non, par contre, toi, je vais récupérer ta baie tout de suite. Bon, déjà. Bon, bah, dommage, un pet Bulnamed, désolé. Oui, je récupère son objet. Non. En fait, Bulnamed devait, en fait, tanker le Spectrum. C'est-à-dire que Spectrum n'a que des moves physiques. Donc, Bulnamed était censé tanker. Et il y a Hypnose, donc, justement, la baie m'aurait bien aidé. Ah non, mais heureusement que j'ai pu flint, je pense, au Spectrum. J'aurais perdu HC, sinon. Bon bah écoutez, bah nous sommes avec deux Pokémon, hein, donc bon, on va faire avec, nous allons faire avec. Et bah je pense que là, les chemins sont débloqués, donc on va tout de suite aller voir au sud. Et puis là, je pense que derrière un Pokémon, même si c'est un doublon, enfin un doublon, je pense que je vais retomber sur des Castorno, des Étourva, je pense, dans les prochaines routes, je vais les prendre. Même s'ils vont pas, même si avec Étourva, ça fera une troisième faiblesse, bande de connards, qui me bloque la route encore. Je pense que je dois les reprendre parce que j'ai vraiment pas de Pokémon à disposition. Bon, tant pis.
Named aurait pu m'attuter un peu. Enfin bon, tant pis. Donc Yu Kwako, voilà, je me doutais. Fallait bien qu'il vienne. Tada, tu m'as fait attendre, Racine. Ouais, mais fait, j'ai perdu 8 Pokémon, s'il te plaît. Lui, il ressuscite comme par magie, s'il te plaît. N'importe quoi. Bah. Non, j'en ai marre des dialogues. J'en ai marre de dialogues de ce jeu. Avec que de pouf, là, c'est bon. Mais je vais détester les dialogues de ce jeu. Alors, intimidation, pas grave, je vais taper Tranchère. Let's go. Bon, c'est parti. Tape bien, cruel. Cruel. Normalement, avec ces deux Pokémon, je devrais pas avoir de problème avant d'attraper un nouveau Pokémon. C'est-à-dire avant ce match, je pense. Il me semble qu'il n'y a pas de Pokémon électrique, j'espère, parce que sinon je suis vraiment dans le caca. Je vais devoir laisser passer HC, je pense. Moi, je sais qu'ils montent au niveau 28, super. Je pense que c'est bientôt le tour des vies d'up. Ah bah là, j'envoie carrément des vies d'arc, là, c'est bon. Donc chez David Dark, donc tandem qui va de ce nouveau début d'aventure en quelque sorte. Ah non, mais j'aurais même pas dû perdre Bubnamen en fait, j'aurais même pas dû perdre, hein. Oh mon dieu. Pissoeo, ouais, ça va être ridicule les dégâts. Non mais j'étais vraiment surpris par contre que David ne se fasse pas même... Il se fait 3 KO, même 4 KO par Balombre, ça m'a vraiment surpris, vous voyez. Alors donc là, on peut taper Morsure. Ah bah super rapide, tiens. Bon, en même temps, vu la différence de niveau. Poursuite. Si tu veux, if you want, charge. Bon, vive attaque pour me faire chier, évidemment. Charge. Bon, je pense que David Arc, bon, je me répète un peu, mais vraiment est utile. Donc, Boscara, je pense que, bon, on peut y aller, là. Ah, merde, repli, bon, je vais taper Dracorage. Dracorage qui va être un move, je pense, très très utile dans ce nouveau début d'aventure. Mon tranche herbe, il va pas me taper grand chose. Ok, ouais, il tape pas mal quand même. Il tape pas mal. Pour une deuxième évolution, il tape pas mal, enfin bon, dégage. Il me fera pas chier longtemps, voilà. Dévi qui gagne l'XP. Ponyta. Voilà, bon, voilà, il était passé, Ponyta. Waouh, on dirait que ma stratégie a failli ne fonctionne pas. Diasim, tu te rappelles de ce que je t'avais dit? Fais en sorte que toutes tes attaques atteignent leur cible et évite tes attaques ennemies. Pff, stratégie de faible, ouais. Je pensais tenir la technique parfaite, mais ne vaut pas un coup, je vais rafler ma fierté et m'entraîner encore mon équipe. Bref, passons, je pars pour bon vie à revoir Sim. Prochaine fois, je serai si fort que je tiendrai en courant. Bah. Et nouveau Pokémon à attraper, youpi! Alors, il me semble dans cette zone, il y a un peu tout ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire des évolutions surtout. Il y a des Roséia, j'espère vraiment tomber sur un Roséia. Il y a des Castorno et il y a aussi des Étourvol. Donc, ouais. Donc j'espère tomber sur un Roséia, mais après j'ai vraiment besoin de Pokémon, donc bon je prends. Voyons voir. Ah, Roséia! Un Roséia enfin! Enfin! Et là, je vais pas faire de fake capture, j'ai Dracourage. C'est pas possible que je fasse un fake capture. C'est pas possible. Ah ouais, merde, non, ouais, si je vois ça aussi. Ok, si ça t'amuse. Bon, je commence à spawn des Pokéballs là tout de suite. Ah putain, merde, il va être long à attraper celui-là. Feu magique, ah ouais, merde, putain, il va être chiant. Ok, je continue. Au pire, je vais envoyer HC. S'il te plaît, je veux ce Pokémon. Putain, mais... Oh! Attends, s'il te plaît. J'en tiens encore un. Est-ce que j'ai une superbe? Ouais, j'ai une superbe, je tente, allez. Je peux pas me permettre d'affaiblir plus, en fait. S'il te plaît! Wow! Enfin, j'ai le Pokémon que je voulais depuis à peu près cet épisode. Plus Roséia est en bonne santé et plus son parfum est agréable et relaxant pour son entourage. Pas des... Moi, bon, c'est un peu... Ouais. Donner son nom, oh Roséia, donné. Enfin, j'ai ce Pokémon que je voulais et puis je vais appeler. Donc dédicace à un YouTuber que, voilà, je voulais donner ce Pokémon. Bon, allez trouver le lien avec ce YouTuber, j'en sais rien. Merde, je me suis planté. Et puis, voilà, bon. En plus, c'est un match, super. Il s'appelle... Papilu, enfin, j'ai mon Papilu qui me donne un objet en plus et qui est timide. Il est timide. Oh mon dieu. J'ai une bonne nature, oh mon dieu. J'ai une bonne nature, pour la première fois de ma vie, j'ai une bonne nature. Ah ouais, il fait plaisir avec les attaques plantes. Donc ce que je vais faire, bon, j'utilise une super bombe, heureusement. Hein. Bon, je pense que là... Je vais, de toute façon j'allais faire une coupure mais j'ai un appel, donc je reviens, je vais XP mon Roséia et je reviens, à tout de suite. Enfin un Papilu je voulais dire.
Et donc, eh bien, me revoili voilou avec donc Papillu niveau 27. Alors Papillu, c'était ultra rapide, c'est vraiment un Pokémon que j'adore jouer, enfin, j'aime déjà Papillu. Et puis voilà, donc, bon, il faut apprendre Sifflerbe, j'ai pas fait la connerie. Et après, Giga s'en suit, et puis en fait, vous pouvez me poser deux questions. Un, je pourrais très bien apprendre Noderbe à Papillu. Chose que je ne vais pas faire tout de suite parce que je pense que pour le moment j'en ai pas trop besoin, enfin je verrai bien. Et aussi je pourrais apprendre aussi coupe à Papillu, toujours. Mais j'aimerais vraiment trouver un Pokémon qui sera. Voilà, parce que gâcher un slot pour coupe quoi, c'est pas très. J'aime pas. Donc voilà. Voilà. Et donc moi maintenant heure de XP, je pense ça va être David Dark, Papillu, HC tout simplement. Ou même inverse, ou même Papillu devant, je sais pas. Ah franchement là, c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que Roselia, enfin si vous voulez en Roserade, je pense qu'il vaudra vite en Roserade si je trouve la pierre. C'est vraiment un super Pokémon. C'est vraiment un super Pokémon. Aussi donc j'ai oublié de faire un truc, bon je vais faire après. En fait j'aurais dû aussi. Parce qu'en fait vous allez voir tout d'un coup il y aura un changement jour-nuit, ce qui sera tout à fait normal, enfin j'y reviendrai après. Donc là, combat. C'est parti, donc là les combats il me semble ils sont assez simples. Donc on va zapper hein, parce qu'on a pas. On a un autre Pokémon à attraper il me semble. Donc là, bon c'est des roses boutons, c'est des trucs comme ça quoi. C'est des merdes comme ça. Manzai, c'est un Pokémon roche que j'en ai absolument rien à foutre. Voilà. Deal with it. Pichu, rien à foutre, mort sûr. Même pas besoin de switch en fait. Non, pas besoin. Voilà, merci. David Dark doesn't need a stab. Y a pas besoin de stab. Donc là c'est à votre tour de Papillu d'XP. Papillu qui a pas beaucoup de PV hein, vous aurez compris. Enfin surtout une bête d'offense quoi. Enfin il tape bien. Enfin surtout c'est quand il veut en Roserade, je pense que ses stats sont vraiment optimisés. En attendant c'est pas terrible. Ah, il me semble que lui ouais super can. Mais j'en veux pas pour le moment. Donc bon. Enfin c'est que j'ai aucun point d'eau à utiliser. Non je veux pas que tu m'apprennes. Ok super. Next. Il y aura un combat double A. Non, lui, il me fait rien. Je prends des baisses, ça peut toujours servir, ma foi. Ça aurait pu me servir contre dans un premier affrontement contre dans l'arène, mais enfin bon, j'ai pas pensé, je vous avoue. Le sol est à vous, nouveau meuble et fertile. Combat double. Bah. Non, là, je zappe, sérieusement, parce que j'aimerais éviter de faire un épisode sur des combats. Voilà, Manza et Mime Junior, s'il vous plaît, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Non, je suppose que non, même pas. Vampigrane, non, ça tape. Bon. Toi, tu vas taper Manzai, toi, tu vas taper Mime Junior. Voilà, hop. Fait magique. Et on n'en parle plus. Bouhouhouhouhou. Je vais t'être. Ouais. Ah, il y a un Pikachu. Ah, d'accord. D'accord. Ah, j'allais dire Pédobien en fait, mais en fait, non. J'allais dire Pédobien. Mais non, c'est plutôt mal convenu ici. Ok. Ah, il me semble que c'est là où il y a Spiriton, mais bon, je vais pas choper. Ça sert à rien, de toute façon, je vais choper un Pokémon ici. Qui me sera vraiment beaucoup, vraiment utile. Alors, il me semble que, ouais, bah, il y aura des Pokémon plantes qui vont bien me sauver. Enfin bon, je sais jamais. Bah, voilà, de toute façon, de t'entraîner les Pokémon à hauteur. Ouais, rose bouton, ok, il va me casser les couilles. Ouais, quadruple résistance, ça va pas être terrible comme match. Ceci graine, si ça t'amuse, hop. Bon, autant que Papillu reste, hein. David Arc, putain, je vais confondre les deux, je sens. Ouais. Oh putain, il y a tenu cet enfoiré. Charge. Mime Junior, bon, non. C'est pas ça qui va t'aider. C'est pas justement qui va t'aider dans ce cas-là. Non, je zappe. Ouais, vous avez compris. Enfin, ça fait trois fois que je dis. Une nuit, c'est qui est toujours dit. Vous avez compris aussi, avec Aatrox et coupe, j'attends d'avoir des meilleurs Pokémon. Parce que David Arc pourrait prendre des Aatrox aussi. Mais je préfère attendre de tomber un Pokémon un peu plus. Un peu moins utile, justement. Parce que je pense que c'est vraiment des Pokémon les gars jusqu'au bout d'aventure les deux. HC peut-être pas. D'ailleurs je pense que c'est bientôt Antibrume, je dois apprendre Antibrume et HC. Il me semble que c'est bientôt. Et puis bah voilà. Ouais bon Pokémon si tu veux. Et Tourval. Bon je reste pas, je suis pas con. J'ai pas envie de prendre de risques. Ok donc là, grosso modo je peux pas parce qu'il faut que je prenne dehors mais je sais pas comment faire bon passons. Roselia. Toi. Hey, toi, d'où tu viens? Tu montes ton équipe de Pokémon. Ah, Cougar. Ah, sympa. Ah, sympa, Ponyta, j'aime bien. J'aime bien Ponyta. J'aime bien me faire chier. Fais mèche, si tu veux. Ouais, je pense que genre, il m'aurait même pas mis KO en fait, mais enfin, mon route, on sait jamais.
J'ai battu Akoga, toi. Ouais, bah, parce que j'ai cet endroit à visiter là-bas. D'abord, je vais dans le vide. Ok, bah, ça va vite. ça va vite. Morsure. Ouais. Ah bah, la poire a tenu. Bon, si tu veux. Attends que j'ai un stab, tu vas voir. Attends que j'ai un stab. Ah, ils ont la même vitesse, attendez. Ils ont la même vitesse. Non. Ah non, je croyais. J'ai cru pendant un moment. Ah, par contre, pour un poison, moi, bon, pas terrible, mais enfin, bon, on va passer. Faut pas tout avoir. Enfin, surtout, pour un poison, il y a quoi d'autre? C'est quoi sa deuxième capacité? Je sais plus. Bon, passons. Toi, la tour perdue, on doit reposer Pokémon disparu, c'est on va aller tout de suite après, mais je vais devoir faire un changement d'heure. Parce qu'en fait, j'aimerais... Vous allez comprendre après. Non, mais je m'en fous, toi, je m'en fous. Ah, anti-brume, si tu veux. Première chose, je vais récupérer baie, parce que, ouais, baie, utile, blablabla, vous connaissez le refrain. Je vais faire des empêtes, je vais visiter en vitesse. Baie Figgy, si tu veux. Ah, je viens de dire penser au combat contre Chimera. En fait, finalement, heureusement qu'elle m'a pas burn. Finalement. Oh, parce que sinon, elle aurait été game over. Et ça, j'aurais pas aimé du tout. J'aurais XP pas une team pour perdre, vous voyez. Alors, il me semble que c'est super beau, ce qui va m'arranger énormément. Super potion, je vais prendre 10 aussi. Antidote, une fois, j'en ai pas. Voilà, j'en prends 10, voilà. Antipara, idem, c'est toujours utile. Ah, j'en ai même pas d'antipara, bon, prends. Il me semble que j'ai des rappels à vendre. Rappel. Parce que rappel, ça va pas me servir. Hop. Voilà. Non, j'ai un autre à vendre. Pas que je sache, non. Un autre à vendre. Et j'ai assez de repousse, je pense. Ok. Parce que j'ai pris à peine de m'enseigner sur... Enfin, je vais vous expliquer après. Bon, pour le moment, on va visiter des trucs utiles, j'espère. Non, je dis pas, parce que bon, c'est bon, ça me gave. Partie du moment... Ok, historique des captures de Pokémon. Ça a l'air sympatoche. On va voir ça tout de suite. Ah, il y a un nombre de pas, une calculatrice. Ah ouais, je savais pas ça. Ok, donc... ouais, bah mon historique est pas terrible, hein. J'ai un Nuzlocke. Non, dès que... Voilà. Bon bah voilà, mais en gros, c'est tous les Pokémon que j'ai attrapé depuis le début de l'aventure, quasiment. Bon bah voilà. Bah bon, en fait, c'est pas très utile. Enfin, bon, on va faire avec... Ok, compteur baisse, tu veux. Je vais voir partout, parce qu'on sait jamais. On sait jamais, sait-on jamais, surtout que là, je vais vite... Va voir ma femme. Ouais, je vais voir ta femme. Ah non, j'ai pas droit, Nuzok. J'ai pas droit. Puis c'est pas très utile, je pense. Enfin, pour moi. Globe, toi, il y a des ruines. Ok, j'ai pigé. C'est un endroit chou ou ici. Maison. Je squatte chez Jean. Les œufs de Pokémon. Je veux bien un œuf de Pokémon. Tu crois que quelqu'un les dépose? Putain, c'est une mamie, merde. Faut pas lui apprendre la vie. Comment dire, mamie? C'est une histoire très très longue et très très compliquée de la procréation. Et là, dépêche Pokémon, c'est quoi cette merde? Bah, il est imprimé ici. Hop. Toi? Ouais. Non, mais je zappe parce que... Luxio? Mais il est mort? Mais il est mort, mon Uxio. Mais je veux Kaiker. Vous pensez que j'ai le droit de lui rapporter un cadavre? Attendez, je réfléchis. En gros, il veut que je lui rapporte un Uxio pour qu'il me passe des objets. Je réfléchis. Est-ce que déontologiquement, j'ai le droit de ramener un Uxio mort? Attendez, je vais relire son énoncé. En fait, ça sert en fait de garder dans un coin, on sait jamais. Tu captures un autre Uxio. Il y a dit Uxio, il n'y a pas dit Uxio vivant. Donc je pense que Nictou va revenir dans l'équipe pendant un bref instant. Oh, Pikachu! Ah ouais, merde. Pikachu, allez, un petit combat. Why not? Pikachu! Ouais, si tu veux. Si tu veux, ça me fait 2 XP en Pikachu. Oh, ah, j'aime bien femelle. Enfin, femelle, il y a un truc bizarre sur la queue. Ah, Pictoxel. Ah, c'était le moment que je redoutais. Parce que je vous rappelle, Pictoxic, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est beaucoup utilisé en stratégie, ça permet en fait d'empoisonner les Pokémon qui viennent. Le problème, c'est que je sais pas si ça va tellement m'être utile en aventure, mais ça peut m'être utile contre les champions par exemple, vous voyez. Ou là, je peux vraiment les empoisonner, enfin, ça peut m'être utile. Mais enfin, bon.
Pictoxic. Je pense que je vais même pas lui apprendre Pictoxic. Ouais, non. Bon, au pire, je mettrai les calcaires. Abonner Pictoxic, j'abandonne. Ok. Pikachu, bon, une histoire. Hop. Ah bah, j'ai tapé Jacques en dessus. Bon, tant pis. Ok, ok. La pension Pokémon peut TV. Ouais, putain. Non, parce que j'y paye d'ailleurs, parce que je fais vite, parce que j'avais perdu assez de temps à Vestigion comme ça. Alors, voilà, hop. Donc, je pense que j'ai le droit, techniquement, de ramener un Uxio mort. Je pense que c'est possible. Enfin, il va pas me gueuler dessus, je pense. Donc, non, je m'en fous de Sorbier. Pense à faire voler tes Pokémon, mes fesses, ouais, je suis un Ozok. Donc, bah, Nick Two. Ouais, Nick Two, ouais. Bon, on va faire un retour bref et rapide dans l'équipe. Hein. Mais je rappelle que Nick Two est mort. Je ne vais pas remettre. Pas faire genre un flashback de comment il est mort, je trouve ça absolument stupide. Et ça me mettrait bien en rogne. Oui, c'est Uxio, oui. Je vais vous faire un article du tonnerre. Un Uxio mort. Un entraîneur nécrophile. Pas grand chose, mais merci. Super beau. Et Kaker. Ok, bon, je prends. Bon bah voilà, bon je pense que je reviendrai souvent parce que Super Beau c'est pas donné. Bon Nick Two mort a fait son apparition. En fait j'essaie de pas rigoler. Parce que quand même la situation est un peu délicate. Donc du coup on a envie de rire, mais enfin bon. Un rire plutôt nerveux, vous voyez. Enfin bon. Oh, Nick Two n'avait pas une capacité dégueu non plus. Alors maintenant. Maintenant que j'ai vu Coco. Coco, ok. Le mec c'est mon pote quoi. Ok, donc là je suis parti faire un tour. Ah ça va, la ville n'est pas trop grande, c'est juste ça qui va être chiant pour moi parce que je suis jamais doué avec ces trucs. Oh, il y a une grotte, attendez. Ruine Bonville. Ouais, oh, j'ai fait un tour après. Ah, oh, il me semble qu'il y a des arbis dans cette grotte. Ouais, c'est la grotte à arbis grosso modo. Bon, autant en attraper un. J'irai l'attraper après. Je vais vérifier quand même sur internet parce que bon, sait-on jamais. Alors, cette maison. On sait jamais. Toi, je veux te donner des sauts, mais j'ai pas de boîte de sauts. C'est quoi, ça sert à quoi les sauts? Mais ça me sert à quoi de... Ça me sert à quoi de personnaliser des Pokémon? Ils voient même pas en combat, s'il te plaît. T'as mon truc est pixelisé? Ouais. Ok, si tu veux. Si ce sont des armes. Attends, il y a encore une Pokémon, donc on va refaire le tour. Refaisons le tour, bon, objet, enfin, boîte saut qui va pas me servir du tout, je pense. Il me semble que c'est comme ça. Voilà. Eh merde, fait chier, bon. On y retourne, c'est drôle de faire le tour. C'est drôle. Et puis je pense que... Bon, je vais pas vous laisser juste une route comme ça. Je pense que je vais faire la ruine Bonville, je pense qu'il y aura pas grand chose à voir. Donc je pense que je vais faire la ruine Bonville et la tour perdue. Je pense. Enfin... Ah merde, je me suis encore planté, fait chier. Oh putain. Bon, j'y retourne. Ça a pris. Ouais, j'avais merde, j'ai une bicyclette, merde. Putain, gros con. Non, je te jure. Ok, donc là, il y a un truc pas. Ok, là, j'espère que c'est une CT quand même. PP plus. Bah, cool, je peux ça me faire du fric. Bon. Enfin, quoique, ça peut toujours m'être utile, mais enfin bon. Il faudrait aussi un deuxième Pokémon haut en fait. Parce que bon, David Dark, niveau d'attaque spéciale, il est pas terrible quoi. Autant Cascade, il serait utile, mais là. Alors toi, Pokémon est timide. Ok, mon Pokémon est timide, oui. Problème, oui, vite. Alors, en fait, bon, là, je vais faire une coupure simplement et puis vous avoir un changement tout de suite. Enfin, tout de suite en revenant. Ah, tout de suite. Que me revoit des autres pour dérangement, mais c'était pour la bonne cause, puisque. Waouh, il fait nuit, mais pourquoi fait-il nuit donc, me demanderiez-vous? C'est vraiment parce que je veux attraper un Pokémon à tour perdu qui n'est capturable uniquement que de nuit. En fait, je vais vous expliquer d'hier. Alors déjà, si je suis parti me renseigner, bon... En fait, cette route, la route 210, si vous voulez, est coupée en deux routes. Une partie dans une autre vie, une partie dans cette vie, et la partie dans cette vie, il y a des Pokémon qui m'intéressent pas, donc tout simplement, quand je vais traverser, j'utilise des repousses, tout simplement, pour éviter de choper un Pokémon qui sert à rien. Alors c'est un Pokémon ultra rare, genre un sécateur, ouais bon. C'est toujours à classe quoi. Et là tout de suite je vais aller voir les ruines Bonville, même si je pense pas que. Bon, ça me fera toujours un Pokémon, écoutez. Ruine Bonville. En fait, non en fait, son droit ne sert à rien. Rien.
Enfin, à part à trouver des Zarbi. Que je vais tout de suite attraper comme ça. Bon, ça fera toujours un Pokémon. Même si Zarbi est un peu pourri. Ouais. Ok, si tu veux. N'apprends que puissance cachée, c'est vraiment un Pokémon de merde. En plus, je vais même pas choper, c'est quoi ce délire? Ouais, merci. Zarbi, comment est-ce que je vais appeler ce Zarbi? Ouais, surtout que c'est un Pokémon que je vais jamais sortir, je pense. Non, mais sérieusement, vous me voyez faire une arène avec un Zarbi, s'il vous plaît? Alors, comment est-ce que je vais bien pouvoir l'appeler? Un souscriber... Non, je rigole. Non, mais sérieux, je... Zarbi, quoi, merde, je suis comment? J'appelle comment? Putain, attendez. Faut que je réfléchisse, il faut que je réfléchisse. C'est un F en plus, alors un truc qui commence par un F de préférence. Je ne sais pas, je ne connais pas d'youtubeur qui commence par un F. Je ne sais même pas comment je vais appeler. Ah bah je sais, bah bien sûr. Je sais. Bon, ce n'est pas le prénom d'un youtubeur ou d'un subscriber, je suis désolé, mais franchement, je pense que si j'aurais appelé le nom d'un subscriber, un Zarbi, ça aurait été vraiment la honte. Donc j'ai appelé tout simplement Faye. F comme Faye, vous aurez compris. Ah, il est timide en plus. Ah bah, ça en fait deux. Deux Pokémon avec deux bonnes natures. Bon, super. Bon, du coup, j'ai remonté parce que ça sert à rien que je reste ici. Encore un F, bon, si tu veux. Oh, j'aurais pu appeler Fuck aussi. Ah bah attendez, il y a des trucs à récupérer ici. Ah bah ça peut être sympa. Attendez. Là je vais faire chier mais complètement. Ah bah y'a rien. Ah non mais... Ah non c'est des objets, j'y vais moi. Attendez. Non rien. Que dalle. Attendez, j'ai pas un cherche-objet. Ah si. C'est ça non? Ouais j'ai un cherche-objet. Celui qu'il faut appuyer donc c'est un peu relou. Pierre oh. Ah c'est une sorte de pierre éclat. Je suis vraiment heureux. Ah merde, il y a des combats ici. Merde, fais chier. Bon bah ça fera un combat, écoutez. Ah, Caillou contre Papu. Ouais. Très gun. Ah, Arkeomir. Ah, là je switch. Pas choix. Bon, je m'attendais pas au combat, sérieusement. Bon, sympa. Je pense que ça va être un épisode un peu long. Un peu long, mais... En fait, j'aurais quasiment dû taper Hydra Courage, en fait. Ah ouais, quand même. T'as fini? Réveille-toi, David Dark, j'ai pas envie que tu crèves contre un Arkeomir. Mais putain, mais seigneur. Oh, putain. Non, là, je suis, je vais pas faire mon fou, là. Papieux, j'ai de pierre. Ah non, mais seigneur, je vais me faire niquer par un Arkeomir, s'il vous plaît. C'est quoi se dire? Ouragan. Oh, ce sera toujours plus utile que gros yeux. Ah non, mais waouh, putain, la vache. Super potion, ah ça m'est utile, vous voyez. Ah, j'ai quasiment utilisé toutes les potions. Bon, on va sonner Faye aussi. Mais sérieusement, j'aurais appelé comment? Qui aurait été content d'être un Zarbi, sérieux? Pokémon qui sert absolument à rien. Enfin, toi que j'aurais pu mettre quelqu'un que j'aime pas, mais enfin, bon, passons. C'est pas ça qui va... Ouais, j'aurais pu, mais enfin bon, j'ai appelé Faye. Ouais, donc du coup, ouais, il y a des dresseurs ici, d'accord. Ouais, non, mais là, c'est les objets qui m'intéressent, je m'en fous des autres. De toute façon, j'ai des corps sortis, donc ça va. Putain, vas-y, je veux les objets, moi, je veux pas... Oh, vous savez quoi, je vais utiliser un repousse. Bon, moment un peu long, je suis désolé, mais il y a des objets à récupérer ici. Repousse. Voilà, merci. Ah, c'est bien qu'on puisse genre, voilà, mettre un objet en clé, enfin, un objet utilisé en clé serait vraiment sympa. Alors du coup, on passe par là. On passe, putain, mais je vais me paumer dans ce truc. On passe par là. Ok. Ouais, c'est bien, je crois, quand même. Pierre foudre, ah ouais, pourquoi c'est devenu bleu tout d'un coup, je sais pas. Bon, pierre foudre, pierre eau, pierre feu, enfin bref, c'est la fête. On va voir par là. Ok, rien, merci, rapace. Ok, là, il y a des Pokéball, je sais pas pourquoi. Bah j'y vais, Pokéball. Bah, ouais, non, je vais réutiliser un repousse. Repousse, ouais. Bah, parce que bon, c'est un peu chiant les Zarbi, quoi. Bon, on va voir, qu'est-ce que tu vas me dire, toi. Ok, je prends des Pokéball, j'en ai rien à foutre. Attends, peut-être y a un truc. Bon, y'a rien.
8, bon. Anti-boom. Ah, bah, t'es... Bon, en fait, j'ai bien fait de venir dans le coin. Ok. Bizarre en son. Ok. Ok, donc j'ai anti-boom. Super. En fait, ça... Ok, j'ai anti-boom. C'est utile, c'est utile. Non, sérieux. Enfin, il me semble que c'est censé pouvoir avancer, quoi. Maintenant, je vais pouvoir me barrer là. Corps de sortie, corps de sortie. Téléportation. Bon bah voilà, bon bah je pense que c'est HC qui va la prendre, hein, qui va s'y coller. Et puis bah c'est parti donc, il a fait du repos celui-ci, heureusement. Et puis bon bah on va se faire des combats, encore des combats, toujours des combats. Ah bah c'est autour de ouais, Papy HC, ok. Bon fail, il reste dans les teams, hein. Il va pas rester trop longtemps je pense. Donc let's go. Donc là c'est en fait, je vais expliquer mon délire parce qu'en fait il y a un Pokémon qu'on peut attraper que de nuit dans une tour. Ouais, de nuit dans une tour, ça paraît tellement logique. Et en fait, c'est un Skullinox. Et ce qui me dérange en fait, c'est que quelque part, je peux pas faire. Si vous connaissez en fait une astuce qui me permettrait de faire évoluer des Pokémon qui sont évolués par échange, en fait, ça m'aiderait beaucoup, vous voyez, parce que je pense que j'en croisais pas mal. Et aussi, il y a en fait des Skullinox et des Fantominus. Les formes évoluées sont tout simplement des excellents Pokémon, même les deuxièmes formes. Le problème c'est que Fantominus n'est. Enfin Spectrum est vraiment très fragile. J'ai déjà Papillu qui est assez fragile. Devidar qui prend Pinette sur les. Enfin qui prend cher plutôt pas Pinette justement. Cette attaque électrique. Et j'ai aussi HC qui est pas très solide. Alors j'espère tomber sur un Kenox. Mais un Fantominus ça ne me déplairait pas. Ok, je suis dans le secteur des âmes. Alors on va voir. Ok, un Kenox, super. Super, ça c'est une très bonne nouvelle. Par contre la mauvaise nouvelle en fait c'est que je ne sais pas si. Ce truc a plus de 40 PV. Donc du coup, je vais essayer de choper un Pokéball comme ça. Je sais comment je vais appeler en tout cas. Si tu veux. On va spam, écoutez. Voilà. Je sais comment je vais appeler. Alors ça, c'est un subscriber qui me suit depuis pas mal de temps sur à peu près... Enfin, pas toutes mes vidéos, mais qui me suit pas mal. Puis je pense que ce Pokémon va être utile. Puis je pense qu'il met un Pokémon Spectre. Enfin, ma connaissance. Enfin, je sens que j'ai une grosse connerie, j'en sais rien. Voilà, j'ai appelé Mizo tout simplement. Voilà, de la communauté Pokémon, un membre assez sympathique ma foi. Gentil, merde, ça fait quoi cette merde? Je sais plus qu'est-ce que ça fait comme ça booste, mais enfin bon. Donc Mizo, je vais m'en occuper à la fin du hotspot, tout simplement, je vais faire XP plus tard. Sachant que là je suis assez content d'être tombé sur Mizo. Qui est un Pokémon vraiment défensif quoi. Il va m'aider énormément. Même si Fantominus ne m'aurait pas déplu, je me répète. Ah, donc on va avancer. Hein. Ok, puis on monte. Inutile de monter. Ok, merci. Mais j'ai anti-brume. Bah, y'a pas anti-brume, on entend mieux. Moi, un fantôme, attends, aide-moi mon équipe. Ah, pas plus hard quand même, merde. Je switch. je vais pas faire le con. Abri, ouais, si tu veux. Abri. T'as fini de me faire chier. Piqûre, ouais, ouragan. Ah, pas mal attaque ouragan. Ouais, je zappe, hein, vous avez compris. Puis Jaco. Oh, Pijaku! Un Pokémon qui sert à rien! Oh, ah bah ouais, je suis utile par contre. Ok, Amnésie, ça t'amuse, hein. Écoute. Eh, je ne suis pas un fantôme, en effet. Merde, j'ai oublié de récupérer le truc. Bon, Fantominus, il m'aurait pas déplu, franchement. Après, bon. Pierre Oval. Il me semble que ça, c'est pour faire évoluer. Il me faudrait à Pierre. À la forme d'un œuf, ouais. Non, ça, c'est pour. Non, ça c'est pour ouais. Non, c'est pour le Vénard, ça. Ok, donc grosso modo. Ben d'abord, mais je peux continuer d'avancer, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Non, sérieux, c'est quoi le problème? Ok, non, toi, je me barre. C'est à quoi que brouillard soit épais, sérieux? C'est rien du tout. Je vais redescendre en bas quand même pour demander des précisions. Non, sérieux, ça sert à quoi que brouillard soit épais? Parce que ça fait un peu flipper. voyons voir. Alors, toi, c'est plus on monte, plus pouvoir, c'est plus si tu n'as pas capacité anti-brume et que tu n'as rien à faire, c'est inutile de monter. Mais je veux monter justement. Et j'ai anti-brume. Ah, il me semble que je peux utiliser en plus. Bon, bah, on y va. On y va, écoutez. Il me semble qu'elle me sera utile de toute façon à un moment ou à un autre. S'il te plaît. Merde, boîte. Anti-brume. Oui, je la prends à HC.
Ça, je pense que je peux me permettre. Putain de. Ouais. Acheter va prendre un petit bruit. Je vais remplacer ça sur Onfouille parce qu'Onfouille c'est vraiment une attaque à axe qui est pas très fiable. Anti-brume, ok. Et ça me servait à quoi? À quoi est-ce que cette merde va me servir? Pokémon. Acheter anti-brume. Et alors? C'est tout? Moi, bon, j'aurais même pas pu lui apprendre en fait. Bon, passons. Si ça veut pour débloquer un événement, enfin une connerie comme ça quoi. Bon, toi! Moi, je sais, ça fait un épisode un peu long, je sais, mais enfin bon. Ouais, il est assez rancunier, lui. Bon, je zappe. Fée magique. Si tu veux. En fait, j'aurais dû taper Giga Drain. Bon, enfin, passons. Ouais, ça passe. Ok. C'est tellement ce que j'ai quasiment. Giga Drain. Voilà! Il tient même pas. Ah, pour moi, il tient rien, pour le moment. Il tient rien du tout, mais je pense qu'après, il va bien tenir les coups. Miso. Et là, mon équipe commence à prendre forme, même mieux qu'avant, parce qu'avant, j'avais un Tekker un peu boueux quand même. Il donne pour un Link, et là, ça va. Désolé, Tekker. Merde, je me suis niqué. Alors, si dans les prochains jours, en fait... il a fait un truc bizarre, le Pikachu, là. Si dans les prochains jours, en fait, bah vous me voyez ne pas poster de vidéo, c'est tout à fait normal. C'est que Tekker aura brûlé ma maison, voilà. Petit warning. Ok, donc ça va. On pourra me faire des emplettes même bientôt. Ouais, il me semble qu'il y a un centre commercial bientôt dans une autre vie, donc je vais faire des réserves. Je vais commencer à économiser un peu, sachant que j'ai assez d'objets, je pense. Ok, donc HC, s'il te plaît, tu vas devant. Je vais mettre aussi David Dark devant. Bon, Miso, je ferai XP après, hein, de toute façon. Oh putain, encore. Ça, ils sont où? Putain, anti-brume. Ah, j'ai tué les anti-brume, let's go. Ah, combat double. Oui, il y a pas mal de combats, ça va me faire pas m'XP. Combat-moi, laisse-moi oublier ma peine. Je viens de voir un autre truc bizarre, là. Je viens de voir des cœurs sortir. C'est assez étrange, ma foi. Par contre, là, je vais switch, parce que je vais pas faire le con. Bah, là, ça t'amuse. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai point poison, moi. t'as peine, machin, truc. Ok, combat double, on avance, hein. Ça doit faire 40-45 minutes, donc j'aimerais éviter, voilà. Ok, donc, tranchère et ouragan, ah, c'est tapé de super. Ok, bande de grosses brèves. Ouais, on n'en parle plus. Dégagé. J'ai battu père et fils Trucmuche, j'ai gagné 2500 Poké-Dollars, super. Le sera petit, je suis plus fort que toi, essaye même pas de jouer à ça. Oh, il y a retour. Ah bah je n'ai pas déjà une. Ah ouais, je crois qu'il y a donné deux fois retour. Bah je garde, écoutez. J'attends d'avoir un Pokémon avec un stab normal. Pour pouvoir m'en servir pleinement. Ma Théo, si vous voulez. Vous avez brisé à cause de moi. Ah, c'est triste. Ouais bon. Même histoire qu'avant, hein. Tranchère. Je pense pas qu'il y en a un qui est tonnerre ou un truc du genre. Je pense pas, perso. Feu fort qui tient bien, par contre Cornabre il tient que de la Cornabre. Ok, ça c'est fait. Tu te sens vide, bah. Je vais éviter de faire des jokers là-dessus, tu me saoules. Anti-brume de mes... Ouais, bref, vous m'aurez compris. Anti-brume. Et ça sert à quoi? Ça sert à monter en haut pour parler à deux mémés qui je suis sûr vont me donner que dalle. Oh, le brouillard s'est envoyé tous mes doutes avec lui. Tiens, pour te remercier, prends, ne sois pas timide. Runesort. Difficile de savoir ce qu'elle pense. Oh, ça, la petite chimera. Rune purif, Runesort, bah. Ok, ce truc qui sert à rien. Ok. Skeenox, si tu veux. Y'a pas un truc, un objet Non, y'a pas. Bon, bah, je pense que l'épisode va assez durer. Hein. On va pouvoir sortir de là. On a attrapé, bon, franchement, un épisode, je pense, riche en rebondissements. Hein. On a battu Chimera de justesse, mais on l'a battu, quand même. Différence à noter par rapport à avant. Corps de sortie, s'il te plaît. Ah, c'est pas... Je comprends toujours encore les... Voilà, je vais me racheter. Oh, putain, je peux pas. Oh, putain, la douche, je dois tout me refaire. Non, et puis vous savez quoi, je pense que ça, je vais faire en off, hein, voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, puis prochain épisode, bah, on va continuer notre aventure tout simplement. Et puis bah voilà, nouvelle équipe donc composée de surtout HC, David Dark, Papu et Miso le petit dernier. A plus, salut.